Moi je dis voter tel. Là sénateur, ou pas dit ou pas dit on l'autre bay et ça que m'a dit nous gagne bagaille. Des pour monde qui trop caï États-Unis. Ou gagne trop l'argent États-Unis, ou gagne trop l'argent Canada, ou gagne trop l'argent la France, oligarque la gonne stratégie pour le faire couso ou pour faire tourner sous toute décision qu'on capable prendre pour peuple. Toute fortune à l'étranger, tout avoir à l'étranger, madame ou belle petite ou à l'étranger, et vous pensez qu'on prend le bataille. Compte, d'un cap fait politique, cap fait ingérence dans la fait politique hier, depuis plus passé 30 l'année. Si groupe qui supporte les lavales à l'Assemblée d'Haïti, qui travaille avec des oligarques corrompus en Haïti, yon là depuis environ 30 l'année, yon présent, activement, ok? Ça veut dire que yon tout fait, oui. C'est yon même qui l'a, et yon présent. Et au influent dans la politique États-Unis, la France Canada. Ah, ou pas la fond idée. Moi-même, pas bataille contre yo parce que je ne pas bataille contre yo. Et ce n'est pas yo qui intéresse. Parce que même moun sa yo tout, yo parle en Dominicani, mais yo pas parle, j'ai fait en Haïti. Ça veut dire que ça, en Dominicani, il y a autorité. Ok? En Dominicani, il y a dirigeant. Il y a des patriotes comme dirigeant. De fait, yo gonjè yo comporté yo. Et l'autre pays yo connaît que, naturellement, qui qualité politique que yo doit faire envers pays yo. Envers la Dominicanie. C'est le premier problème, non, c'est nous-mêmes en tant que Haïtiens. Automatiquement, nous finissons ce problème haïtien, le ça, on va camper pour nous questionner, ou bien pour nous dire blanc, mais ça que nous voulons, mais ça que nous ne voulons pas. Mais ça que nous aimons, mais ça que nous ne voulons pas. Ça veut dire que le ça, on va le vers visage blanc pour connaître s'il dit, s'il date. Au moins, même bagaille pour me dire, non, moi même fou, je suis une proposition qui est claire, papa. On avance. Fois ça, ça paye quand Haïti a essayé de faire, il a essayé d'assurer que l'autre élément qui est important pour nous, par exemple l'accès à la technologie, le fait que nous voulons que dans les 10 prochaines années, tout Haïtien ait accès à Internet, nous voulons assurer nous que l'élément ça a tout, l'agenda global là. Parce que c'est ça qui peut garantir que différents partenaires. Dans nos belles bagailles, nous avons parlé de après 2010. Vous voulez que après 10 ans pour Haïtien ait Internet, ait accès à Internet. C'est vrai que normal, la Dominicanie, tout Dominicain ait accès à Internet. Moi-même, en Dominicani, c'est pi meilleur et pi bon Internet là que je me gagne. Internet que je me gagne en Dominicani, il est pi bon que ça me gagne aux États-Unis là. On a fait une idée. Gagne l'autre, alors, gagne. États-Unis, il est pi bon Internet là, oui, mais Internet va fonctionner là. Que je me paye un paquet de cob, en Dominicani, il est pi bon, il est pi bon Internet là. Et c'est Internet militaire dominicain, fonctionne à ce que je me gagne. Parce que c'est lui pour gagner pour faire des bagailles que vous avez besoin dans les médias en ligne. Surtout dans les affaires Facebook, YouTube. Ou besoin de bon gens internet là. En Dominicani, c'est internet à m'gè. Ok? Pour Dominique pas payer internet ça. Parce que c'est le piche et tout. En Dominique, il y a trop de valentis en haut, il va là dedans. Eh, mon chodine là. Il va payer go cop. Eh bien, gars, il y a depuis qu'il est à petit ça. Mais ça qui plus passé 13 ans, oui. Qui accès à Haïtien, qui accès à internet. Ou pas qu'il y accès à internet parce que, gen Digicel, gen Caricom, il pas décidé pour bailler internet en pays. Dominicani, il internet là. Ou même ou qui pour acheter internet ou pas baoul. Parce que vous pas vle haïtien gen accès à internet. Vous voulez faire pays? On avance. Yo effectivement supporter nous dans le sens que nous voulons aller. C'est son premier facteur qui est très important. Mais deuxième facteur qui est très important dans la discussion, ça yo aider, structurer comment ou même ou pour focaliser l'énergie power. Comment ou même ou pour mettre en place processus pour. Donc par exemple, présidentiel Lifla Ali même, la KLI, il y a un problème de ressources naturelles. Il y a un problème d'exode de capitaux partout en Afrique. Il y a un problème énorme d'exode de capitaux, côté que on paquette comme fait en Afrique et puis aller dans les pays plus développés. Donc, vous voulez assurer que des éléments comme ça qui sont importants pour vous incluent tout l'agenda global. Là. Que les pays développés ont accepté de mettre en place des mesures qui réduisent, parce qu'on a parlé très souvent d'un montant qui dépassait ça à pays africain recevoir en assistance externe. Donc, vous voulez assurer que l'élément ça inclut l'agenda à tout. Donc, fort là, premièrement, pour vous, ça, l'autre, vous mettez qui affecte vous. Le, par exemple, il y a parlé de ça, les green, d'économie verte et restrictions que ça a imposé en termes de modèle de développement. Fort là tout pour assurer que l'élément commun qui ouvre qu'il a, il inclut l'agenda commun. Donc, c'est une discussion qui est importante. Et aucune raison, il est loin d'Haïti, mais il est très intéressé à Haïti. C'est pour ça, ouais, d'ailleurs, le monde là. Le monde représenté. Un paquet de chefs d'État, dont le président du Niger avec lequel j'ai travaillé, quand l'homme des résidents coordonnateur, qui vient nous être au premier ministre jamaïcain, Lila, tout. C'est parce que nous voulons faire partie de discussion, parce qu'en général, si nous ne faisons pas partie de discussion, nous avons subi le résultat de discussion au lieu que nous bénéficions de lui. Le monde est là, mais Haïti est pratiquement absent dans l'activité comme ça, alors que nous posons des questions avec une autorité européenne qui dit que par rapport à la question. Et objectif millénaire là, Haïti c'est un rare pays, sinon l'unique qui n'a pas atteint rien dans l'objectif. 8 objectifs qui étaient fixés.
dans la région. C'est vrai que Haïti, dans la région, c'est un pays qui n'a pas fait progrès pour le faire sous l'objectif du millénaire. Et c'est pour ça que c'est important que non seulement pour nous discuter, pour nous comment le prochain cadre. Mais je rappelle que entre Kounia et échéance 2015, là, nous sommes à peu près 1000 jours. Donc, il y a tant toujours pour Haïti faire progrès dans l'éducation universelle, dans la santé, dans l'équité de genre. Par contre, il faut me dire ça et je suis assez fier de ça. La question de l'éducation, Haïti, c'est un grand pays avec ce niveau de revenu qui était atteint et cible de parité garçon-fille au niveau primaire depuis très longtemps. Et nous, tout Haïti fait pour grand pile la question de réduction du sida. Donc, il y a un peu de progrès quand même qui fait, mais il y a beaucoup plus qui a à faire. Mais dans le cadre de définition nouvel agenda, il y a certainement des éléments clés que Haïti voulait ouais le portefeuille là. Et en ce sens, nous avons raison, il faut que nous présents. Ceci dit, il y a plusieurs forums côté discussion ça a fait. Et ici là, je dis là, c'est seulement une forum. Donc, je suis que par exemple au niveau des Nations Unies, New York, où il y a un ambassadeur avec équipe technique. Et permettez-moi de dire ça tout. Et c'est une bagaille pour diaspora haïtienne tout profiter organiser les. Nous avons besoin qu'on n'ait pas posé question. Pas une élection pour faire en Haïti pour que diaspora haïtienne n'a pas qu'à voter de Kazek à Zek à la présidence. S'il pas qu'à consacrer que pas élection. On tout dit le clair. Si en Haïti, tenez bien, ça m'a dit là à partir de Gary Konito. C'est clair. Faut nous pas gain doute sur ça. Parce que l'homme on a parlé dans diaspora, on va parler faut qu'on ait qui position qui sont vlé. Moi même vlé. Quelle que soit élection qu'a fait en Haïti là, si que diaspora haïtienne là, quel que soit côté dans monde là, haïtien yé. Quel que soit passeport qu'il a maintenant, c'est qu'il n'a pas qu'à voter, pas qu'à candidat, l'élection va bien se faire dans le pays. Nous clair sur ça. Parce que le seul moyen pour payer sa sortie, c'est avec petit qui de qui remet pour tout bon, qui est compétent, tant qu'on gagne connu. Oui, mais ce sont les gens qui a assez de compétences. Mais est-ce que le gouvernement va faire pour Haïti? Non. Dans ce que ça rentre, dans le temps volant rentre, et façon rentre, pas de résultat qu'on a porté pour payer ça, pour peuple ça. Il est clair. Sous ta tente, fait le tout ou pas fait 3 jours. C'est soit autour ou même Jean-Jovenel, ou bien il faut disparaître ou j'ai été couru dehors 2011 là, parce qu'il n'y a pas besoin de ça. Et ce n'est pas éclairé, vient parler de technologie, ou bien Internet, soit parler d'Internet. T'as le bouche chapé, ou tu prends l'immense centrale électrique que Jovenel Moïse de commencer yo. De vous dire pour un, pour deux, ou pas carité. Il est clair, ou après yon dévoré ou, et après de code blanqué ce poteau là. Il y a vous aller. Ambassade là qui certainement engagé dans la discussion et à mon avis a représenté intérêt et vision pays à dans cadre discussion ça. Si pas une autre question pour monsieur Kony sur JEDO en tant que ancien chef de gouvernement qui regard aujourd'hui a porté sur Haïti. Tu sais, nous fait presque 14 mois en Afrique mais nous suivons Haïti de très très près. Et surtout qu'on y a avec technologie qu'on gagne, en forme de ça, me donne nous toutes là régulièrement sur Internet et me lis régulièrement et tout journal sur Internet. Donc, je suis la situation de près et m'avoue que très souvent, je me partage, je suis très inquiet. Je suis très inquiet et très soucieux que nous n'avons pas perdu le peu d'acquis que nous gourmons pour lire au cours des dernières années. Je suis très inquiet tout parce que l'homme a des problèmes de fond, qui c'est l'extrême pauvreté. Pourquoi est vraiment aucune velléité pour ça changer. Le map gardé Haïti, je me toujours songé qu'en 1960, nous avons le même niveau de revenu que la République dominicaine. Et le même niveau de revenu que le Ghana. Je dis à pays, ça a eu 4-5 fois le niveau de revenu d'Haïti. Donc en fait, les problèmes de fond du pays, la pauvreté, ne sont pas en train de s'améliorer. La classe moyenne est détruite. Je dis à un professeur à l'école, pas qu'à vivre de revenus comme professeur à l'école. Un chauffeur taxi. Attendez, oui. Là maintenant, nous sommes en 2011. Pour vivre 2012. Et n'a pas aidé, il professeur l'école pas qu'à vivre avec revenu. Attendez bien, oui. Avec soit de 2011, 13 ans après Kotoé. Professeur l'école pas qu'à même mal faire coup même. Voilà pour ta pensée à payer. Haïti, même si vous travaillez ou pas payer, voilà pour pas travailler même. Ok? Tout bagaille net crasé Haïti plate. Et monsieur n'a été pété courir à toute bouline de monsieur. Et ça cause ma joe. Ouais, pays ça, premier cancer là. Première situation difficile non. Premier responsable toute calamité non, l'irrelé l'homme avec femme qui a fait politique en dedans pays là. Tout autant que monde ça exister ou pas chambre en Haïti, monde ka vivre, ça va exister. Sous quelque soit forme non, ou pas capable bouger avec qualité monde ça yo. OK? Ou pas ka faire rien avec yo et faut que c'est élimination totale.
capital pour qu'une fait avec qualité monde ça yo. Haïti pas capable continuer avec ravette ça yo, avec pourriti ça yo, avec criminel ça yo. Faut que nous fait tout ça que nous capable pour que nous démanteler coalition gang volé, vicieux, corrompu, criminel ça yo dans politique là. C'est eux même qui problème là. En vérité bon Dieu c'est eux problème là. On garantit nous ça. Ouais même oligarque corrompu, criminel assassin Koboulos, en vérité c'est pas jeune politicien criminel gang sale yo. Il va jamais catouer Jovenel pour contre lui. Même dans rêve. C'est avec politicien pour prendre décision pour détruire là. Ou j'ai moins d'excellent ou le caoutchouc? Ou j'ai moins d'annonce de manifestation quasi brisée? Non. Moi, pour eux, ils recevront les criminels dans Pétionville, bah, ou l'argent fait à bouler, fait à craser. C'est politicien en premier qui problème, non. Moi, je Gary Koni, si vous avez moins de parler mal de ou, vous avez mal de dire ou. Vous avez là, vous avez avec une équipe, vous avez boté l'argent, vous avez fait l'argent, et puis, par la suite, vous avez viré de nous péter courir, t'as coulé la tortue. D'ailleurs, son la tortue dès qu'il vient là. Si vous avez un chef, c'est au cap chef en Haïti. C'est même gens, c'est coulèvent cette traite là. Cette traite yo plus de traite yo, c'est un coup là, c'est un coup. Et comment elle est? Comment elle est, professeur Harry, ancien juge, cour de cassation, hein? Et Boniface Alexandre. Ok? C'est un coup professeur Alexandre. C'est comme ça que c'est comme ça le bralier. Coulèvent cette traite là, pour aller résumer en Alexandre, et puis ou même, ou gère la tortue. OK, on va gérer la tortue, gros bouton ton chef, c'est au même qui parle dans les Nations Unies parce que c'est au cap parler tout, c'est au même qui tel, et au qui éclairer tout, c'est au qui plus ou moins cap parler avec, au compte monde tout, mais naturellement pour qui résultat zéro. OK? Mais est-ce que Gary Koni, on va marcher sur fatra? Dis-moi non. Est-ce qu'on va marcher côté sale et marcher sur la boue de l'eau senti, d'eau couille et tout rego? Est-ce qu'on va marcher sur lit? Et comment il cap fait ou bien comment il préparer? Vous pensez franchement depuis n'arrive à Haïti au salope tout. Mais même pas comme m'da chef dans pays pour pays m'da propre qui m'da chef soit m'da mettre tout même marcher sale tant coupé petit dans tant courir avec pour sentir dans pays dans pas de prince et me juste mais pour m'a pétrat sous moi pour m'pas ca descendre à terre pousser à sale moi non mon chef on propre ville là ville ta propre gars connais ce qu'a propre te ville pas de prince moi même pas ou pas intéressé dans tout sens sauf que me connais nèg qui va le vol tout est comme qui va le faire comme qui va le faire comme qui va le faire et grand groupe toujours là. Insécurité gang n'a toujours là parce que nous pas trouver gang vrai. OK? N'a trouver deux trois gang qui étaient déranger nous et nous senti qui représentait une menace pour nous ta connecté au barbecue. Nous qui go capacité pour fédérer nèg armé, n'a trouver li, nous capable être trouver Jeff Tankana parce que trouver américain, nous capable être trouver éviter l'homme parce que la kidnapper américain, nous ca trouver et l'homme sans jour parce que le kidnapper américain, mais après ça les ISO, tu l'appli Bougoy qui lick, les joueurs de Nenel Kassi, justement, monsieur Sayo a prêté là même. Pourquoi nous pas tout et tout? On petit machin, grand pile le problème pour joindre les deux bouts. Et ces problèmes de fond là, malheureusement, pour moi, il y a beaucoup d'attaques. Les problèmes d'environnement, 1940, nous avons la même couverture environnementale que la République dominicaine, 40%. Je dis à nous à moins de 2%, à peu près 1,5%, alors que la République dominicaine qui a 40% par là. Et c'est des problèmes qui parlent des répercussions à long terme, longtemps d'exporter sucre. Je dis à nous importer 100% de sucre que nous mangeons. Donc, pour gagner des problèmes de fond qui demandent une solution consensuel, une solution concertée. Je pense que c'est une très mauvaise approche pour mon quoi qu'à partir du gouvernement, à partir du palais national ou du bureau de la primature, on est capable de résoudre le problème Haïti. Le problème là, c'est que vraiment pour arriver à créer un climat côté chaque monde arrive à contribuer pour résoudre le problème de fond. Moi, c'est important tout que pour expliquer Haïti que développement et haïtien que problème de développement, il prend temps pour résoudre. Et au fur et à mesure, il faut qu'on explique la population, mais il faut faire, mais comment on n'a pas avancé. Il faut pas faire des promesses démesurées. Son peuple qui fait preuve d'un pile patience, mais il faut qu'on explique le soit fait, comment on fait pour le comprendre et pour le participer. Donc en gros, l'homme garde par exemple, j'étais en Éthiopie, je suis retourné en Éthiopie le 10, je regarde le progrès d'Éthiopie fait en 10 ans. Son pays qui vraiment pour avoir une économie émergente dans les 15-20 prochaines années, l'on va regarder pour l'effort que vous faites en termes de mettre en place institutions, mettre en place structures. L'on va regarder pour l'effort qu'a fait un peu partout en Afrique, des pays qui étaient loin derrière nous. Là, Niger, côté moi-même, il y a seulement 4 ans, comment vous faites pour vous-même y arriver à partir du programme présidentiel, les troisièmes du Niger, le Niger nourrit le Niger. Comment vous arrivez à mettre en place un programme cohérent pour vous faire pays avancer. Moi-même, c'est quand même douloureux pour moi que nous-mêmes, que nous pouvons vraiment prendre direction de développement et nous pouvons bailler leçon de développement que nous croyons que nous cabaille le monde, même j'en débat leçon en 1804. D'après vous-même. Et Gary Koni, ben moi de bagaille. Et parce que des fois, parmi jury, si vous êtes peut-être capable de goûter graisse, et public là va dire, alors si vous supportez la donne,
et dans sa m'a dit ou du moins si vous partagez opinion ça tout et gars koni depuis ouais mais ça tout le monde dit ou c'est joueur blanc qui te me dit ça tout pour ouais ou yo dit que ou c'est joueur blanc ça veut dire que c'est blanc qui met qui voyo et gens le fait là tout pour nous dit que c'est blanc mais en Haïti gon gens que ça tout fait et bien a senti que gon tendance gon monde qui est international là et même j'aime te dire un haïtien que personne pas connaît et en Haïti depuis il était grandi dans diaspora et aller l'école dans diaspora n'importe lequel qui a décidé faire photo dans Washington avec un 3 4 monde qui costumé valise dans dos ou plutôt qui gagne sécurité bon côté yo il fait photo avec eux et puis derrière il a campé il poster photo ça il dit moi c'est haïtien me saute non rencontre dans maison blanche avec deux représentants président Biden président nous pas de guitare ou bien de guitare ou tout ça nous partager on sait des bagages du pays d'Haïti m'expliquer problème d'Haïti et puis s'entendre à tout radio et télévision dans la coupe pays d'Haïti tout journaliste traditionnel bec fait ab guitant mettez focus ça son exa oligacon puis ab guitant préparer bout de sac l'argent pour élément ça la prête qui était dans ligne pour le riche là parce que faut que qu'est-ce que lié faut que gagne contrôle li c'est pour tout bon mais nex ça qu'a utiliser ça seulement même si là ouvre c'est bluff oui mais il a utiliser il a fait le chef dans mitan boule figo comme peuple OK il a fait le chef dans mitan boule figo comme peuple mais m'a dit nous son l'autre bagaille et ça m'a dit Gary Conny si monsieur et t'es même j'ai avec par exemple madame Evelyne Louis et Nagesi Mamou un monde qui patriote comme de Francisco comme ça m'a dit là et tant que et madame Ariana comme ça m'a dit là et toute famille amis plateforme dans depuis Boston pasteur yo et pasteur Franklin comprendre pasteur Franklin depuis Boston et qui des patriotes tant que pasteur Mallory comprendre moi si Gary Conny était comme ça Gary Conny t'a privé dans primature là comme premier ministre OK et puis il t'a fait démantèlement total de la classe politique traditionnelle haïtienne, mais sans qu'on pas battre avec eux physiquement ou bien directement, c'est à travers l'action qu'on a posé au niveau gouvernement. Parce que, pas oublier, ministre finance là, où tu as exigé, c'est pour mettre elle, pour avoir besoin de débloquer l'argent, pour débloquer l'argent. Et pour ce que tu as fait, où tu as débarqué dans le carrefour, où tu as dit que central ça, c'est pas l'argent Jovenel, c'est pas l'argent Martin Moïse, c'est pas l'argent famille Jovenel, mais c'est comme que Jovenel Moïse prêté comme chef d'État dans mes pays Taïwan. Sous nous l'État, c'est pas ici qu'a payé pour te acheter central ça qui est son central général électrique qui peut allumer par le Brestlin à 18 heures courant par jour qui peut passer par 24 heures de temps courant par jour. Ou t'as paraît dans le cafou, t'as dit mon cafou, supportez-nous, nous pouvons allumer central ça pour nous faire le sac courant. Ou t'as écrasé classe politique la net, oui, avec tout patron, oui. Ou débarquer ce phénomène cabahitien. Ou dit central ça, il fini, tout poté là. Moi, besoin de monter au limé pour séconiser toute ville là, tout poté électrique, tout baïnette, tout filio, tout cabio. Ou limé, ville cabahitien. 24 heures sur 24. Ou alors central électrique, dans Fort Liberté, département Nord-Est. Ou dit que ça, c'est pas l'agent Jovenel. C'est pas l'agent maman Jovenel, mais c'est volonté, monsieur, de gagner pour te faire bagaille pour pays. Nous pas qu'à quitter le gaspillé. On nous fait bagaille. Gary Conny, sous bien entendu ça, yo. Même numéro de téléphone, c'est 561-542-1547. Ça, yo, de pouvoir décider de faire, yo. En vérité, bon Dieu, c'est seul monde, cap campé, cap dit, monsieur, Kebela. Kebela. Oui. Oh, de ces Jovenel, yo. Oh, ou cap, dit, mais faut que nous mettons commission de vérité sous pied pour que nous enquêtions, pour que des juges sérieux qui mènent enquête sur le dossier assassinat de Jovenel Moïse. C'est que mon tapis, Gary Conny. Pas que mon qui t'a pris mon passé. Oui, garçon. Pas que mon qui t'a pris mon passé, garçon. C'est que mon tapis. On faut tirer des messieurs toujours. Il semble. Franchement, sauf si t'as coquin, si le coquin met dame l'audacieux, connaissez, il est comme un maté, il pas prendre de bail comme ça. Mais, n'importe quoi, il faut pas pour payer. C'est prendre même projet Jovenel Moïse, commencer, prendre l'argent de l'État pour te faire, yo, comme continuer, yo. Continuer, yo. Pas venir faire l'autre bagaille. Faut que continuité. Ou vivre dans la diaspora, lever dans la diaspora. Quoi, monsieur, madame, nous coûte, messieurs. Tout éliminer volo là, yo. Tout éliminer classe politique là, net ou connaît, yo. Nous sommes à tout, nouvelle tête rentrée. Diaspora, c'est une entrée. Ouais, monsieur. Bon, monsieur, doit bail possibilité pour que Jasper Aïssène impose elle dans sa affaire politique pays. Gary Conny. Moi-même, c'est le premier monde qui t'a dit, je supporte au clair. C'est le premier monde qui t'a dit, Jasper Aïssène, est-ce que nous avons supporté Gary Conny? Et je t'ai demandé pour nous faire une interview publique. OK? Pour nous parler public dans l'émission. Je t'ai demandé, Joe Bado, mon cher, ou t'as montré que vous pouvez mettre la commission sous pied pour nous enquêter sur l'assassinat de Jovenel Moïse? Ou montrer que vous appelez le central électrique, c'est le phénomène cap haïtien? Ou appelez mes centrales électriques Cafoulan, ou appelez mes centrales électriques Jérémy Gredens,
ou ap remete sous centre germoplasio pour nous gagner pile pied bois pour nous reboiser pays. Oh gari koni, c'est que mon tapie garçon, c'est que mon tapie, c'est que pas ami, on quitte monsieur parler toujours pour nous voir qui est-ce qu'il y a. C'est qui bon problème là, il y a quelque part quand même. Tu sais, le problème là, c'est que cette incompréhension, cette mauvaise compréhension du développement que nous croyons que changement absolu du palais national de la primature, changement absolu dont il faut concerter de tout secteur, de tout élément de la société. Il saute dans l'unité, ça veut dire qu'il faut le secteur privé à jouer rôle. Il faut avoir suffisamment de confiance dans l'État pour jouer rôle. Il faut le secteur social jouer rôle. Il faut évidemment le gouvernement et le parlement jouer rôle. Donc, il faut que son effort collectif, pas rien qui a tombé d'en haut et puis suffisamment et puis subitement on va pouvoir tout bailler résoudre. Je crois que ça son premier et incompréhension rien. Deuxième bailler, c'est que nous croyons tout que le problème n'est pas seulement un problème ici. Nous croyons sincèrement que la communauté internationale là a une part de responsabilité dans l'incapacité nous pour avancer. Évidemment, responsabilité avancée, c'est avant tout responsabilité pas nous comme haïtiens, mais les partenaires aussi, particulièrement après le tremblement de terre. Ils ont fait des promesses que pas qu'un nécessairement. Ils ont pris un engagement qui n'est pas cohérent du tout. Ils ont pas permettre que le gouvernement et l'État ici en prennent direction reconstruction. Et pour moi, ils n'ont pas vraiment bénéficié de l'opportunité qui a été créée, même après le tremblement de terre. Donc, son convergence de facteurs, mais surtout, le même des pays qui ont avancé, même Libéria, côté de fait 14 mois, un élément essentiel, c'est que c'est vraiment un effort de toute la communauté de vouloir résoudre les problèmes. Et vraiment tout le monde met ensemble pour apporter petites contributions par eux. Et le mérite appartient à tout le monde par un groupe. Donc pas une compétition entre les différents groupes pour dire qui est-ce qui résout le problème. Mais vraiment, c'est un effort concerté. Donc on croit que ça. Dernier point, je dis sur ça, c'est très important. Moi, c'est que le regard des difficultés haïtiennes, il faut tout secteur remettre tête en question. Il faut tout secteur interroger tête. Pour tout secteur en mode tête. Qui sait faire différemment à partir de 2014? 2014, c'est le 210e anniversaire de notre indépendance, c'est le 4e anniversaire du tremblement de terre. Il faut commencer à parler de Haïti 2, d'une nouvelle révolution, d'un nouveau 1804, avec une nouvelle image de s'annouveler de Haïti. Et remise en question, ça, il faut tout secteur faire, je vous le dis, en 2014, qui ça va changer le comportement, parce que définitivement, ça me tape pas avant, n'est pas nécessairement abouti. Docteur Koning, je pense qu'en tant qu'ancien Premier ministre, vous faites l'expérience et de l'aide au développement. Et notamment, où est notre gouvernement, côté président de la République, là, qui est toujours en fonction, l'administration toujours en fonction, taponné et investissement dans place aide au développement. Et je pense que plus fort, on est d'accord aujourd'hui que aide au développement, ce n'est pas lui-même qui a mené vers le développement. Mais Haïti, justement, on dilemme parce qu'il est obligé de continuer à bénéficier de l'aide au développement. Maintenant, quelle est la meilleure stratégie que le gouvernement a de gagner? Entre l'aide et le développement, en fait, on a parlé avec le recul, puisque vous êtes dans les affaires, publiques. Je dis à vous en dehors, vous faites expérience d'autres pays, vous suivez l'expérience qui a parlé. Et qui est le meilleur choix que tu as fait entre l'aide au développement et l'investissement qui tarde à venir aujourd'hui? C'est une question très importante. Moi, personnellement, je crois que ce n'est pas une ou l'autre. Pour le moment, quand on pile pays qui a avancé, je parle de l'Éthiopie, tout à l'heure, qui a fond pour énorme, côté que la diaspora éthiopienne a investi massivement dans l'infrastructure, dans la construction en Éthiopie. Mais ceci dit, l'Éthiopie est encore le premier pays pour le financement de la Grande-Bretagne, par exemple, et le premier pays à recevoir l'aide américaine en Afrique. Donc, c'est pour te dire qu'il y a de la place pour les deux. Mais ça demande trois choses, et tu as raison. D'abord, il faut renégocier cette aide, il faut renégocier cette assistance. Ça, il n'y a pas de doute. Fonchita avec partenariat, en tant que partenaire, et moi, ça fait dans plusieurs pays. Après le tsunami en Indonésie, moi, gouvernement indonésien, Chita, en tant que partenaire pour la communauté internationale, là, premier bail m'a fait, c'est que moi, mes comme m'a mis. Deuxième bail m'a fait, c'est que ce que vous voulez aider maintenant, comment vous voulez aider, pas autre chose. En 2004, moi, j'ai travaillé en Éthiopie, moi, le gouvernement éthiopien, dit Banque mondiale que dans ces conditions, monsieur, prends quoi boire, à le faire autre. Donc, il y a moyen pour nous de renégocier avec nos partenaires et en tant que partenaire debout. Et ça, c'est un bagage que nous croyons que nous avons fait et nous devons faire. Maintenant, la deuxième chose, c'est que tu as raison. Haïti a un paquet de potentiel pour le capable de développer. Nous ne pouvons pas même entrer dans la question ressources naturelles. Moi-même, toute donnée que moi sous ça, fait que nous avons une richesse dans le sous-sol nous, qui est encore inexploitée et qui crée un potentiel. Deuxième élément, nous gagnons, c'est les plus de 4 millions d'Haïtiens qui vivent à l'étranger et qui transfèrent 2 milliards de dollars.
si nous créons les instruments appropriés, nous avons moyen là vraiment pour nous mobiliser un capital énorme. Ça veut dire que haïtien qui a dit au lieu de mal mettre petit comme la banque là pour apporter 1% semaine ça, m'a mettre dans projet d'infrastructure qui va apporter 6-7%. Donc potentiel de capital de diaspora faut pas négliger. Et troisièmement, il y a des opportunités d'investissement tout extraordinaire, mais pour ça, faut créer les circonstances qui pour assurer. Ces investissements sont acte de foi lié. L'on est mettre comme leader, l'on partenaire étranger, l'ouvre la carte du monde. Il gagne 10 millions de dollars pour l'investir. C'est pour moi des têtes pour qui ça l'a dit c'est Tim va mettre 10 millions de dollars ça. Donc fort ballon raison. Et raison fort baler bien, ça veut dire fort résoudre problème de propriété de cadastre, fort résoudre problème de justice. Parce que l'un est gravé dans pays où il y a un conflit, faut le connaître que l'on est capable de gagner justice dans le cas de conflit et que le cas fait justice ça a confiance. Donc on n'a pas quatre problèmes pour résoudre pour rassurer investisseur. Et si on arrive à faire barrer ça, moi je crois que on arrive effectivement à mobiliser le capital qu'on a besoin pour capable faire investissement massif dans toute qualité de projet d'infrastructure et dans le projet social. Tout. Là, je regarde par exemple au Mexique, il y a un programme Tres por Uno qui est extraordinaire. Le gouvernement mexicain il met 3 dollars pour chaque grain de dollar en diaspora. Le Mexicain envoie la CAELI pour les petits pour les travaux d'infrastructure communale. Un projet comme ça que nous-mêmes nous travaillons avec la Banque mondiale, côté que nous avons capitalisé sur la diaspora pour chaque grain de dollar. Nous, gouvernement match li pour nous assurer que dans 10 départements, dans toute section communale, il y a des efforts qu'a fait. Donc ça, c'est au niveau, si tu vois, décentralisé. Mais on a moyen tout pour mobiliser capital massif pour faire des bailleurs et des investissements qui rentables, par exemple en énergie. Donc on a moyen pour créer un environnement pour générer capital pour capable effectivement faire des travaux d'infrastructure. Genre, ça fait un peu partout. Donc il faut arriver à concilier vraiment le tout. Et je dis à mon consensus, c'est pour ça. Tout pays reconnaît que faut joindre quoi faut il faut que la communauté internationale ait un bel engagement que le défait de 0.7 dans le cadre OMD. Je rappelle que tout est pour atteindre 0.7% de revenus que tu as investi en matière de développement. Deuxième bas encore fort, et c'est pour ça que fora ça est très intéressant, distribution ressources pas basée sur les besoins. Donc ça veut dire qu'il y a des pays comme l'Irak qui recevront une partie énorme d'assistance externe, alors que eux-mêmes, ils ont des ressources naturelles. Donc, ils sont basés sur une réalité géopolitique, sur l'intérêt des bailleurs. Donc, une discussion intéressante et importante qui pour des pays émergents, toujours dit, à cap entrer dans le milieu et assistance-là. Par exemple, le Brésil, par exemple, la Russie, je dis. Donc, il y a des opportunités pour renégocier comment partenariat a fait. D'ailleurs, nous avons parlé de l'assistance, encore, on a parlé de partenariat. Et parallèlement à ça, nous faisons pour la CAENO, créer un environnement pour que les gens intéressés, mobiliser le capital que nous gagnons dans la diaspora, mobiliser le capital que nous gagnons interne en Haïti, parce qu'il y a des réformes que faut faire qui sont capables de permettre de mobiliser le capital. Moi, je crois que, par exemple, la politique fiscale, nous, je dis, pas permettre de mobiliser excédent de capital qu'on gagne en Haïti même pour faire investissement. Donc, on a une équipe bagaille comme quoi qu'on fait intelligemment qui pour faire comme ça arrive. Fort de toute considération que vous faites là, est-ce que nous sommes capables de conclure que si pas un effort considérable qui fait et objectif que le gouvernement Martelly, Lamotte l'a fixé, qui sait faire d'Haïti un pays émergent en 2030, sont utopies. Pourquoi que faut un effort collectif et cohérent. Donc surtout ce que je suis en train de dire, c'est que si on n'arrive pas à mobiliser tous les secteurs de la vie nationale, c'est peu probable que on va réaliser l'objectif ou on va opérer quand on va aller pour compte. Développement, c'est encore une fois, c'est pour bailler que palais national on pays fait. Donc on croit que l'approche là faut élargir, faut reconnaître implication et importance implication tout secteur, faut bailler tout secteur opportunité pour contribuer, intérêt pour contribuer. Et avec ça, parce que j'aime toujours dire, il n'y a pas une fatalité haïtienne. Fort heureusement, pas grand problème qu'on a en Haïti pour lequel pas déjà qu'il y a des solutions éprouvées. Mais si mon école, je dis à son bail, nous connaissons comment on fait. Résoudre les problèmes sanitaires que nous gagnons, santé que nous gagnons, accès à l'eau potable, tout ça, c'est des problèmes que normalement on peut résoudre sous 27 500 km² avec 10 millions de monde. Mais le défi, c'est comment on peut mettre toutes composantes, incluant les partenaires internationaux, ensemble autour d'un programme cohérent, côté qu'on bail les garanties qu'il faut, côté que l'État haïtien bail la direction qu'il faut, et puis ensuite qui permettent nous avancer. Comme ça se fait un peu partout. Récemment, avant tout ça, on a regardé avancer un pays comme Malawi a fait dans certains domaines. On trouvait que c'est extraordinaire parce qu'il est arrivé au niveau sectoriel, mettre partenaires ensemble pour être capable de faire des investissements cohérents. Et ouais, vraiment, on a regardé un pays comme l'Éthiopie qui a 1 million de kilomètres carrés, presque 80 millions de monde qui ont un gros problème de mortalité maternelle.
ils ont fait des avancées extraordinaires dans presque tout indicateur santé, ce qui est remarquable. Mais ça, et gouvernement éthiopien a fait, ils font distribution de 35 000 travailleurs communautés. Ils ont fait avec Kobio, parce que la communauté internationale, justement, pas de payer, pas de payer et salaire. Yo. Et en moins de 5 ans, ils ont des avancées tangibles en matière de santé. Donc, moi, je crois que c'est un débat comme ça que nous avons fait. Et avec ça, nous avons enfin, la population haïtienne, soulagement que l'abtonne. Mais monsieur, finalement, m'a dit nous vraiment, pas d'attendre moi, ouais, nous là, je dis, c'est pas deux contents, m'content. Il y a quelques jours, m'a chita vraiment avec des interlocuteurs haïtiens, n'a parlé de Haïti. Et vraiment, m'a souhaité nous profiter de deux jours, ça y est. Si m'a aidé nous faire des discussions avec des gens très intéressants, par exemple, m'a dit tout à l'heure que si m'a parlé avec le président Issoufou, c'est très intéressant. Le président du Niger, mon qui vit une crise, qui gère une crise là, de manière assez originale, je crois. Il y a l'autre interlocuteur là, tout dont le premier ministre jamaïcain dans la classe. Si nous capables de faire un petit peu avec lui, parce que nous croyons que lui-même, tout, là, il a un processus de changement jamaïque qui est assez intéressant pour nous connaître. Et donc, il y a plusieurs autres partenaires tout du secteur privé là, qui est très intéressant, que si nous sommes capables de chance de discuter avec eux. Et puis, on profite au maximum de ces deux jours, on peut ça apprendre dans le pays, et puis on espère que nous-mêmes, tout, nous allons jouer une petite partition par nous. Merci beaucoup vraiment d'être venu. Merci en pile pour le ministre Gary Koné qui que nous. Voilà, justement, merci un peu avec l'équipe Radio TV du Caraïbes à l'époque. Voilà, je ne connais pas et non, et journaliste, je remercie eux. Mais naturellement, son interview qui datait et plus passé 10 l'année, ok? Et nous jeunes, parce que nous étions à la recherche de, aussi des data qui étaient extrêmement importants sur Gary Koné. Et pour nous garder qui participe à les monsieur te fait, même dit nos data, si passe monsieur, et rencontre monsieur, déclaration monsieur. Par exemple, nous gagnons, le monsieur après investi dans le Parlement, et énoncé politique générale monsieur, au niveau Sénat de la République, là, tout ça. Nous avons tout ça, nous avons tout avec peut-être, et dans de l'autre émission. Mais naturellement, nous avons dit que Gary Koné, moi peut-être, et façon monsieur rentrer, monsieur n'est pas capable de faire résultat, et avec le monde rentrer, il n'est pas capable de faire résultat. Mais il faut que nous puissions comprendre. Et Matéli, n'importe qui est capable de dire, Matéli était élu et démocratiquement, mais que bien que c'est venu mettre en place pour que l'Italie dans l'élection en deuxième et dans deuxième tour avec juste et capable de dire pardon. Madame Aniga, parce que il était retiré juste Célestin, eh ben Matéli est arrivé élu quand même parce que le peuple a été voté massivement. Et puis il vient choisir Gary Koné nous tout pour connaître de façon que nous tourner au petit courrier d'elle. Il veut pas Gary Koné volé, mais c'est même nèg encore qui a cherché Gary Koné. Ça c'est dit qui est clairement ou t'es vomi bah l'autre coup d'ailleurs il va valer si volé et on fait valer Gary Koné mais même barré pour moi parler de où pas vraiment connu mais m'a dit non c'est si volé quand bayo si volé pas sérieux pas mon yo c'est des yo pour nous parler parce que c'est yo qui pas bon monde c'est yo qui pas sérieux et c'est yo pour nous continuer des peuple là filer manchette là non yo parce que c'est yo qui pas mon nan c'est yo qui criminel là c'est yo naturellement qui assassin